Dans votre trésor, on s'intéresse maintenant à ces étiquettes censées vous informer au moment de l'achat sur la performance énergétique des matériels électriques et électroniques, lave-linge, four, réfrigérateur, des informations pas forcément très explicites si l'on en croit l'UFC Que Choisir. Anaïs Barre avec Antoine Husser. Frigo, four, lave-linge. Au quotidien, l'électroménager peut coûter cher en énergie. Et pour le consommateur, choisir entre un frigo et un frigo, cela n'est pas toujours évident. Cette étiquette énergie doit pourtant aider les clients à s'y retrouver, mais elle n'est visiblement pas d'un grand secours. Là, c'est A moins, A plus. On va pas loin. Non, il n'y a pas de A moins, il y a qui dit A plus. Ah, c'est plus. Parfois, ben, on nous met A plus plus, alors qu'en fait, ça équivaut à A moins et qu'en fait, c'est plutôt du marketing pour vendre plus cher, pour attirer les consommateurs qui pensent plutôt ben, aller vers de l'écologique. Depuis 2010, cette étiquette classe les produits de A à D avec plusieurs catégories de A. Un classement qui donne l'impression que de nombreux produits consomment peu d'énergie et qui a remplacé un autre classement aux apparences plus sévères allant de la lettre A à la lettre G. Un four classé A aujourd'hui aurait été classé D avant 2010. Du coup, dans ce magasin, les A sont partout. Et là, on est en A++. Ça veut dire que niveau consommation, on monte d'un cran. Après, on a du A++ et on a du A++. Trois fois qui correspond à un produit qui a vraiment une consommation optimale. Il n'y a quasiment que des A. Quasiment que des A, on a très très peu de B. Pour l'UFC Que Choisir, il faut revenir à un étiquetage plus lisible. Le consommateur est complètement perdu. À tel dessein qu'aujourd'hui, quand il voit affiché A, il a l'impression que c'est un bon appareil. Alors qu'en réalité, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus performants. Et donc, le consommateur a besoin de revenir à un échelonnement simple. L'association réclame de revenir à l'ancien classement énergétique. Elle souhaite aussi un renforcement des contrôles pour vérifier si cet affichage correspond à la consommation réelle des produits.